Bien, salut à tous, c'est Zebra Gaming, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur Red Dead Online, donc pour les nouveautés, nouvelles activités, nouveaux vêtements. Donc on va aller voir les nouveaux vêtements avant. Donc il n'y a pas grand chose de débloqué, hein, comme d'habitude. Hein. Vêtements, hop. Donc on a tout d'abord le chapeau de Mantega qui est en stock limité à 141$. Ensuite on va avoir le manteau. La veste Ben Bou qui est disponible maintenant, donc en 72$, 75$, donc moi perso ça m'intéresse pas. Ouais, bof. Ensuite, on a pour finir, on aura les chaussettes qui sont à 2 lingots d'or, donc en stock limité, hein. Donc qui sont disponibles que cette semaine. Et ça sera tout pour cette semaine-là. Donc en vêtements, il n'y a que ça. Donc, on va aller tester le nouveau mode et que ça saute. Donc pour le moment il n'est pas affiché sur le menu quand vous lancez le jeu. Il faut pour le moment il faut aller dans série à la une et ça va vous le lancer directement dessus. Donc on se fait une petite coupure. Donc on se retrouve sur le mode et que ça saute. Hein. Donc voilà, le but hein, ça va être d'avoir des buts. On va avoir des sacs d'explosifs et le but c'est d'emmener le plus de sacs explosifs dans l'équipe adverse. Et comme ça qu'on pourra gagner. On va voir ce que ça donne. Est-ce que ça va être bien? J'espère. On a un petit délai en attendant. Voilà, ça joue à 4 contre 4. Hein. Donc voilà, hop. Ah non, 8 contre 8, excusez-moi. Autant pour moi. Donc voilà. Bon, toute une équipe, hein. Bon, c'est pas mon équipe à moi. Hein. La marchande de cette équipe, tenez, ce sera mieux. Ah, franchement, par contre, niveau équilibrage des équipes, je trouve que c'est mal fait parce que, franchement, quand vous voyez, regardez, là, il était niveau 100 pratiquement, et là, vous voyez aussi des niveaux 100 là aussi, remarque. Hein. Mais bon, voilà quoi, c'est pas là, ça va encore sur cette vidéo. Sur cette vidéo, on a beaucoup de gros level, mais pas tant que ça d'habitude. Hein. D'habitude, il n'y a pas autant. Hein. Donc voilà, ça va jouer contre un 6 contre 6. Hein. Donc à 12, on va jouer. Hein. Donc espérons que ça va être bien. Donc voilà, comme vous voyez, c'est marqué en bas. Emmenez des explosifs dans le repaire de vos ennemis pour le détruire tout en empêchant de détruire le vôtre. Donc il faut les empêcher. C'est un peu comme Trésor de guerre, mais différemment en fait. Faut faire exploser le camp adverse sans qu'on se fasse exploser le nôtre. Donc j'espère que ça va être bien, franchement. Donnez-moi si vous dites-moi en commentaire si vous avez testé en la mode. Pour le moment, course de cible c'est toujours dans le menu hein, principal, mais bon, je pense qu'ils vont l'enlever dans pas longtemps, hein, je pense, hein, pour mettre et que ça saute. Donc franchement, allez hop, let's go. Espérons qu'on va pouvoir essayer de faire une petite game, hein, si je suis pas trop chaud. Donc, voilà, on récupère les sacs. Hop. Voilà. Personne pour défendre la base, par contre ça va pas être terrible.
un petit temps. Aïe, ah, j'ai plus d'énergie, c'est galère ça. Ah, et puis j'ai même plus non plus de sang-froid, ça va être un peu galère pour jouer là. Ah, on s'est déjà fait endommager en plus. Franchement, quand vous êtes niveau 50 et qu'eux sont niveau 100, c'est pas super quoi. C'est pas super super. Hein. Mais bon, faut essayer de jouer. Hein. C'est ça le truc, c'est qu'il faut s'adapter, jouer malin. Surtout. Ah putain, ça joue en sang froid. Putain. C'est chiant, les gens qui jouent en sang-froid, franchement, c'est... Les gens qui jouent en sang-froid, je vous dis, c'est pas évident pour les tuer. Hein. Bon, c'est bien, on fait l'objectif, on a fait un objectif, 5 sur 5, on sur 5 joueurs, le Lancaster, c'est bien. Ça fait 200 RP. Ah, XP, excusez-moi, j'ai l'habitude aussi avec GTA. Hein. Du mal en perso pour ça, pour m'habituer là. Je joue un peu mal, je vous avoue. Hein. Bon, après, c'est le temps que je m'adapte. Hein. Il me faut le cas, il faut un peu, faut que je réussisse un peu à m'adapter. Bon. Un peu dans la colle, j'ai envie de dire, franchement. Désolé si le niveau est un peu dégueulasse, hein, mais bon. Aïe, on est en train de se faire dégommer. Là. En train de se faire niquer. Là. Après, ils ont pas tous les explosifs. C'est bien de les avoir tous, hein, mais si on les livre pas. Perso.
là ça rapporte, hein, au moins. Je pense qu'on va se refaire une autre game après, ça sera peut-être mieux là. Parce que là perso c'est un peu chaud quand même. Hein. Sur les deux seuls, on va voir combien on gagne. Ouais, 9$, 160 XP, ouais. Un peu comme toutes les activités, hein, j'ai envie de dire. Ouais, il faut vraiment avoir pas mal de joueurs en fait. Parce que si vous êtes pas beaucoup, ça vaut vraiment pas le coup, franchement. J'ai vu sur certaines vidéos déjà de gens qui ont déjà sorti le mode. Enfin, qui ont sorti le mode. Qui ont testé ce mode-là, là, le mode rive, ce mode confrontation là. Et ça rapportait pas des masses, hein. Donc si vous êtes pas beaucoup, c'est même pas la peine. Va rejoindre notre équipe, hein. Mais bon. Bon, c'est bien. Voilà, allez. On s'approche, je trouve ça un peu chiant aussi, les gens qui nous font poireauter pour pouvoir... Il faut attendre, regardez comme vous voyez là, on est 3 sur 10 à être prêt, les gens pourraient mettre prêt plus vite parce qu'on n'a pas que ça en finale à attendre quoi. Perso, c'est un peu chiant. Bon allez, déjà équipe verrouillée, je sais pas pourquoi je sens qu'on va me virer dans l'autre équipe. Ah non. Ah non, je suis resté dans... Ah ouais d'accord. Quand je vous dis que c'est vraiment pas équilibré, c'est pas équilibré quoi. Mais bon. Après ça veut rien dire, le niveau ne veut rien dire. Hein. Après je sais que je suis pas non plus un... Le... Je suis pas un Lucky Luke. Non, non. On peut pas dire que je suis Lucky Luke. Mais bon. Comme je vous dis. Voilà. Bon. On va se faire ça là tranquillement. Donc dès que... Dewberry Creek. Ah, peut-être une nouvelle map qu'on connaît pas pour le moment. Enfin, c'est qui est déjà sorti, mais bon. Je pense pas dans ce mode, dans d'autres modes qu'elle soit sortie déjà. Bon, allez. On va essayer de faire mieux quand même. Là, j'avais même pas regardé combien de kills j'avais fait sur la dernière map. Pour essayer de faire mieux sur celle-là. C'est pas grave.
Ah, si on s'est touché quand même. Ah putain, il est besoin de long à gros. Allez hop, on est reparti. Hein. Ça va être quand on aura fini. Hein. Bon, ça serait bien sûr gagner une petite game quand même, ça serait pas mal. À se couvrir, à se mettre à couvert. Va plus vite, garçon. Putain. C'est chiant, contre. Il a voulu se mettre à couvert derrière un arbre. On le verrait à 10 km, quoi. C'est super, ça. Énergie, hein, putain, tout au moment où je veux tuer, j'ai plus d'énergie. C'est super ça. Franchement là on joue dégueulasse. Là, ils sont vite, ils sont vraiment sur la défensive là, l'équipe adverse. Au moins qu'on puisse en faire un peu, quoi, qu'on puisse descendre un peu leur truc, leur base. J'étais pas loin, franchement j'étais vraiment pas loin.
C'est vraiment dommage. Rien, on voit le sang là qui est en train de couler. Bon, tant pis, on n'aura pas gagné, mais bon. Franchement, c'est pas mal. Mais après, c'est l'équilibrage. De toute façon, ça, c'est quand même dans toutes les activités. Personnellement, en équipe, elles sont pas équilibrées, franchement, je trouve. Mais bon. C'est vraiment dommage, hein. On va s'en faire une dernière et puis on se laissera là-dessus. Hein. Deux, 19 kills. Prudent, oui, ça c'est sûr, je suis prudent. Hop, on va acheter des munitions. Ah, c'est surtout de la dynamite hein, qu'on rachète en fait. Bon, c'est bien, au moins on est beaucoup, ça pas mal. On va changer l'équipe, tiens un peu. On va voir ce qu'ils veulent. De toute façon, ça se rééquilibre toujours au dernier moment, donc ça, chiant en fait. Enfin, heureusement, si, parce que sinon, y a tous les gros niveaux se mettront ensemble et on aurait que les petits d'un autre côté, quoi. Ce serait chiant. Bon, allez, lance-moi ça, là. 15 secondes encore à attendre. Du monde qui rejoint. Ah, ça va, ils vont essayer dans notre équipe pour une fois. Allez. Grint, Plin. Get plein. Plein. Je connais pas cette map. Je sais pas si je crois qu'on l'a déjà faite celle-là. Il restera plus que la semaine prochaine le mode pillage. Hein. Puis après, je pense à mon avis, ça va être voir. Je pense à mon avis, pillage devrait être un mode à mon avis pareil. Faudra aller, enfin différemment bien sûr, un peu. Qui fera sûrement aller un peu comme trésor de guerre, je pense. Ça va être un peu ça, je pense. Aller piller le camp adverse et le ramener dans son camp. On verra bien. Écoutez, c'est que des suppositions pour le moment. Donc on verra bien ça la semaine prochaine. Hein. On n'y est pas encore, mais ça va arriver. Ça va vite arriver. Je pense à mon avis la mise à jour pour printemps, je pense à se finir, à se faire, je pense à mon avis dans 2 semaines. Parce que là ils attendent je pense de sortir tous les modes là qu'ils voulaient sortir là, qu'ils ont annoncé, puis après sortir peut-être la mage. Allez hop, let's go. Oh, la map a l'air bien moins grande déjà. Ouais. Précipité en fait. C'est mon erreur ça. Bon, après on a le temps de revenir avant qu'ils envoient les sacs, pour qu'on puisse les récupérer. Ça serait pas mal. Fight. Hein. Et piquer le sac de fumée. Ah, oh, il y en a d'autres devant. Ah,
Bon, si je peux beaucoup là, que je le blâme pas trop. Hein. Quand même que les équipes sont plus équilibrées là, j'ai l'impression, parce qu'on a tous un peu de mal des deux équipes à passer. Sauf les petits malins là, qui essayent de passer par les côtés. Ça va se passer si imaginons on se finit sur une égalité. Merde, c'est désagréable ça. Ah. Normalement j'ai réussi là, normalement. Ouais. Bien, 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 on a bien joué. On a réussi à... récupérer le truc là, ici, là. Là, là. C'est bien, là on joue bien. Là. Perso, là on va se faire la dernière game, on la réussira au moins. Ah les fumiers. Mais je sais pas, je ne vois pas de sac échant. J'hésite à passer par là ou par là, mais bon. Le problème c'est qu'on les voit pas. Bon, de toute façon on a réussi. Hein. C'est encore endommagé. C'est pas mal ça, c'est bien ça. Bon
bah franchement c'est un bon mode, moi personnellement je trouve bien. Franchement ouais. Après comme je disais, il faut juste que, ce soit, que les équipes soient bien équilibrées et ça fait des bons matchs là comme là. Parce que si machin bah il y a que genre des niveaux 100 d'un côté et des niveaux 10 d'un autre, ça, là c'est sûr que forcément l'équipe des niveaux 100 vont gagner plus. Mais bon, c'est pas grave. Bon franchement, on va voir juste combien de kills on a fait, puis après on va s'arracher du mode. 15$, ça va franchement. Bon, XP, je pensais un peu plus quand même. Ah, quand même, 30 kills, il a fait le. Ah, j'ai disliké, bon, c'est pas grave. 30 kills, il a fait le 5ème. Ça va, franchement. Bon, ça arrache là. Va faire une petite conclusion à la fin, en dehors de ce mode. Je vais pas en faire une si en plus après faut que je sois concentré et en même temps faire la petite conclusion quoi de vidéo, ça serait bien. Bon allez. Bon après les spawns là c'est bon. Hop. Bon bah voilà, franchement moi perso, hein. Ouais, y a du joueur là. On va se cacher un peu là parce que. Bon voilà, bon bah si vous avez aimé la vidéo, moi perso j'attends la mise à jour hein, qui sont prévues pour normalement printemps la sortir. Hein. J'espère que ça va être du lourd quand même. Parce qu'ils ont annoncé quand même que c'était du nouveau. Hein. Donc voilà, bon bah de toute façon, franchement, à part ça, voilà, c'est tout ce qui est sorti. Hein. Cette semaine. Voilà, bah sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, ça fera extrêmement plaisir. Et pour me suivre dans les prochaines vidéos, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.